Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement avec les dernières nouvelles, bien entendu, et ceci en toute primeur. Un immense merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 149e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait tout simplement la petite discussion à chaque fois entre nous et à chacune de nos entrevues. Décidément, le CQFD, votre CQFD de Bled Maghribia, ne peut s'empêcher d'évoquer cette Algérie de plus en plus en dérive, puisqu'elle est incapable, oui, elle est incapable d'éviter une nouvelle crise de liquidité dans les banques algériennes. À peine 521 milliards, oui, à peine 521 milliards de dinars dans les caisses depuis le 30 avril dernier. Autrement dit, et en un langage très très simple, le porte-monnaie, oui, le porte-monnaie de la famille algérienne est quasi vide. Oui, ce qui présage donc des lendemains tout à fait déchantants. Et pour rester toujours dans cette Algérie, un rapport, oui, un rapport transmis, pour ne pas dire un rapport confidentiel, transmis par un haut gradé militaire, donc une honorable, entre guillemets, source qui demeure anonyme, oui, anonyme, révèle la mise en œuvre d'un plan machiavélique, dit le plan Touati, constitué en 4 étapes. Et toutes ces étapes sont sanguinaires les unes comme les autres. C'est ainsi aussi, disons-le, selon le Middle East Institute, le régime au pouvoir de cette même Algérie entend rallier sa population dont il ne se préoccupe pas du tout, même pas d'un iota, contre un ennemi externe, peut-être un ennemi imaginaire. Ce qui est peut-être pour certains compréhensible, pour d'autres incompréhensible, pour justement ces dirigeants, les dirigeants de ce pays, si on peut encore les appeler ainsi, et qui persistent et signent dans cet absolu obscur. Puisqu'après la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, cette Algérie rejette toujours les médiations arabes, alors qu'à Tindouf, oui, à Tindouf, dans le sud du pays, un appel à un putsch, oui, à un appel à un putsch militaire contre la direction du Polisario a été soudainement et subitement bourdonné par on ne sait quelle mouche qui les a piqués. Décidément, ces pseudo-dirigeants, bien qu'appartenant à cette grande muette, mais elles parlent tout de même, elles parlent, et elles parlent sans cache, continuellement. On dirait une muette bavarde, tout en étant favorable au renversant putsch dans ce sud. Donc, chers amis, nous revenons une nouvelle fois à notre sommaire.
pour relater ce qui se passe réellement dans ce grand pays, oui, grand pays nord-africain, rappelons-le, gazier et pétrolier au demeurant, mais qui vit tragiquement au rythme des pénuries en toutes sortes. Pas d'eau dans les robinets, plus de farine ni de pain dans les boulangeries. Les hôpitaux manquent d'oxygène, surtout en période de Covid. Sans parler de cette fameuse campagne de vaccins qui laisse à désirer, dont il n'est dit mot et on ne le répétera pas assez. Et pour faire bref, ce pays, si l'on peut le nommer toujours ainsi, oui, est en déficit total. Car le régime est aux abois, puisqu'il n'arrive même plus à gérer les choses du quotidien, autrement dit, du bien-être de la population, qui manque de tout, à savoir les produits de première nécessité, tout simplement. Et cela se paye, oui, cela se paye cash, bien évidemment, puisque au vu de cette faillite, l'Algérie fait une nouvelle fois face à une énième crise de liquidité et la situation demeure très tendue au niveau des banques algériennes où les caisses sont restées une nouvelle fois vides depuis le début de l'année 2021. C'est-à-dire pas d'argent, non, rien. Preuve en est la liquidité globale des banques algériennes. C'est établi à quelque 521,073 milliards de dinars, selon la situation mensuelle de la Banque d'Algérie au 30 avril 2021, publiée au dernier journal officiel numéro 66, datant du 29 août dernier. Cela signifie que jusqu'au 30 avril dernier, il ne restait dans les caisses des banques algériennes à peine 521 milliards de dinars algériens, un chiffre dérisoire et insignifiant au regard des énormes besoins du marché bancaire algérien. Et ce recul du niveau des liquidités s'est renforcé depuis le 31 janvier dernier. À cette époque, le niveau de la liquidité bancaire s'établissait à 681 milliards de dinars, reconnaît toujours la Banque d'Algérie dans les situations mensuelles publiées dans les colonnes du journal officiel. À partir du 28 février 2021, le niveau des liquidités bancaires a baissé jusqu'à 548 milliards de dinars algériens, pour remonter fin mars 2021 à 613 milliards de dinars, avant de rechuter une nouvelle fois à 521 milliards de dinars fin avril 2021. Cela signifie tout bonnement que la crise des liquidités s'est aggravée à la fin du premier trimestre de l'année en cours à cause d'un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Il faut savoir que la liquidité bancaire se traduit par la capacité d'une banque à faire face à ses obligations de trésorerie en fonction de leur échéance. Dans les pays plus ou moins développés ou bien structurés, à savoir bien gérés, cette capacité est surveillée comme le lait sur le feu par les autorités de contrôle des banques qui ont institué différentes règles et différents ratios pour s'assurer que les banques gèrent au mieux leurs risques de liquidité. Or, en Algérie, le système bancaire est totalement archaïque et peine à se moderniser en faisant preuve d'une véritable inclusion financière, à savoir en attirant vers lui toutes les liquidités en circulation dans le pays
notamment dans le marché informel, face à cette crise financière qui s'est nettement aggravée depuis le début de la pandémie de la COVID-19 en 2020, les banques algériennes se sont tout simplement écroulées. Et pour cause. Et pour cause, elles ont été exposées à une pression qui dépasse largement leur capacité. Les ménages se sont retrouvés dans une situation de crise en consommant leurs épargnes suite à la baisse de leurs revenus et la hausse des prix des produits depuis mars 2020, autrement dit une inflation, tout simplement. D'où s'explique la forte pression sur les guichets des banques et de la poste pour retirer davantage de cash afin de faire face aux dépenses quotidiennes. Et c'est ainsi que la crise de liquidité a commencé en Algérie, puisque les banques ne peuvent pas fournir l'argent recherché par les consommateurs algériens, puisqu'il n'y en a plus. Ici, nous sommes donc en pleine crise financière. Et même les entreprises rencontrent de grandes difficultés pour retirer souvent de grosses sommes de leurs comptes bancaires, tout simplement pour payer les salaires et acheter leur indispensable à la production. C'est dire, enfin, que la crise de liquidité est symptomatique d'une crise financière très profonde en Algérie. Et c'est loin d'être fini, oui, c'est loin d'être fini, car ce n'est que la partie visible de cet immense iceberg. Ainsi, comme si ce n'était pas suffisant, la nuit du 3 août 2021, juste après le limogeage de ce général Gouasmia, qui sera remplacé par la dernière pièce dite maîtresse peut-être de l'échiquier de ce Toufiq et Nazar. Donc Toufiq Mohamed Bdien et ce Nazar Khalid Nazar, le général Yahya Ali Oulhaj à la tête de la gendarmerie nationale. Une réunion de crise a été organisé, non au siège des administrations, non, au domicile de ce général Khaled Nazar, oui, son domicile, pour la mise en œuvre d'un nouveau plan, un plan dit Touati. Et ce qui nous ramène directement, à cette junte militaire qui dirige le pays, cette caste au pouvoir, dont on peut aisément affirmer, sans jeu de mots, avec ou sans cash, avec ou sans argent, avec ou sans liquidité, cette grande muette, l'ancienne muette, se met à son tour à table, au travers des révélations de cette mise en œuvre d'un plan machiavélique en plusieurs étapes. En effet, ce groupe d'anciens caporaux de service s'est parvenu en éradicateur sanguinaire des années 90, ne les oublions pas tout de même, s'est reconstitué à nouveau. Donc ces vieux caporaux qui s'octroient ont parvenu ce titre de général au travers de ce Mohamed Medien, dit Toufiq, Khaled Nazar, Abdelaziz Mjahed, Jabbar Mhina, Achour Oudahi, Yahya Ali Oulhaj. Et ce petit chef, Saïd Chengriha, celui-là on ne peut pas l'oublier. Une fois l'équipe au complet, la machine des services de ce Achour Oudahi se met en route pour mettre en œuvre les scénarios
possible, classique des années 90. Soi-disant, c'est juste un remake, un vieux remake. Mais cette fois, c'est la Kabylie qui est visée. Oui, c'est la Kabylie qui est visée. Et ce plan dit Touati est constitué de quatre étapes. Un, l'incendie généralisé en Kabylie. Et jamais la Kabylie n'a vécu une catastrophe de cette dimension. Des incendies dispersés dans toutes les localités de la Kabylie. Le refus des autorités de demander de l'aide internationale pendant 4 jours jusqu'à être imposé. Vous savez par qui? Eh bien, par ce président français Emmanuel Macron lui-même. Une campagne médiatique de grande ampleur dont le ministre de l'Intérieur affirme que des criminels sont à l'origine de ces incendies lors de sa visite sur le terrain. Préparer l'opinion publique en Kabylie d'un danger imminent. Isoler la Kabylie sous la bannière du MAC, de ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Deuxième point de ce plan, dit Touati. L'épisode de ce pauvre Djamel Ben Smaïl, Allah yirahmo, ce jeune de Khmis Mliana, militant actif, qui était sous la surveillance des services depuis des mois, était la cible idéale pour cette opération organisée par le ministre général Jebbar Mhena, originaire de l'Erba Nafirathen. Et en plus, il était présent dans la localité avec un colonel et son équipe de la DGSI 48 heures avant le drame. Oui, il était là 48 heures avant le drame, confirmé par plusieurs médias, dont Algérie Part, le 12 août 2021. Et cela avec les agents pointeurs pour contrôler ce pauvre martyr Djamel Ben Smaïl. Et tout simplement pour canaliser la foule lors du lynchage. Deuxième point de ce plan. À Khamis Mliana, le lieu de résidence de ce pauvre Djamel Ben Smaïl, l'équipe du général Achour Ouedahi de la DGSI, à Khamis Mliana, ce qu'on appelle le Doubab, et les influenceurs de la fitna, oui, de la fitna, ont commencé à se manifester immédiatement après les faits. Et l'on a noté une mobilisation sans précédent. Des mouches électroniques qui ont commencé à lancer des appels à la fitna et à la guerre anti-Kabyle. Clairement, avec précision et dans l'absolu. Le but de cette équipe composée d'une haie de la DGSI était de lancer une attaque d'envergure sur plusieurs familles kabyles dans la localité de Mliana, d'une manière atroce, avec l'aide des sous-traitants à tendance islamiste, des services pour ensuite accuser la bannière terroriste, entre guillemets, fictive, pour accuser ce mouvement Rachad, comme le confirme le discours de cet athée sans foi ni loi du 12 août 2021. Troisième point de ce plan Touati, l'affrontement généralisé entre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Semak et Rachad, la DGSI a consacré depuis plusieurs mois tous ses efforts à partir de ses relais en Algérie, à Londres et partout dans les médias
avec leurs professeurs et experts, et même à l'étranger, pour préparer l'opinion publique nationale et internationale sur la fiction terroriste, entre guillemets, de ce MAC et de ce Rachad. L'arrestation toute récente de ce jeune gendarme, Mohamed Abdallah, en Espagne, en est un exemple sous le vocable terroriste, alors que tous les services européens savent que ce n'est qu'une manipulation des généraux d'Alger, ou pardon, des caporaux. Ce concept, donc, et là, c'est, on termine par là, sur ce, les quatrième point de ce plan, toujours, d'affrontement qui sort droit des laboratoires. Oui, ce concept d'affrontement sort droit des laboratoires de la DGSI. Toutes ces manipulations entre les entités dites terroristes, MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et Rachad, dans un premier temps, et puis entre Kabyle. Oui, entre Kabyle et Arabes. Ensuite, qui reste la seule et unique solution pour les généraux d'Alger, de se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, quitte à utiliser la terre brûlée de ce pays, en justifiant l'état d'urgence avec la mobilisation massive de l'armée algérienne, sous le terme d'une opération de maintien de l'ordre qui devient légitime et incontestée, dans ce cas pour ces militaires sur le terrain. Mais ce qui s'est traduit, ce n'est qu'un échec total de cette opération. Un échec total. Et pour cela, trois raisons ont permis de faire échouer cette opération. Hein? Les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux, les photos prises, les vidéos et surtout une mobilisation sans précédent de millions d'Algériens et d'Algériennes qui ont analysé les images, recoupé et re-recoupé les informations et ont réussi à identifier les visages, oui, vous avez entendu, les visages et toutes les incohérences dans le scénario de ce régime. Deuxième raison, une mobilisation extraordinaire pour appeler au calme des militants en Algérie et à l'étranger. Une fraternisation et une union unanime pour condamner ce crime atroce. Les Algériens de 2021 ne sont plus les mêmes Algériens des années 90. Non, ils ne sont plus les mêmes que ceux des années 90. Les Algériens d'aujourd'hui sont sociologiquement pacifiques et refusent toute violence parce qu'ils ont tout compris de A à Z. Et troisième raison de cet échec, le père de Jamel, le père de Jamel, le grand monsieur Nourdine Ben Smaïl, qui a été l'élément déterminant dans l'échec du plan des généraux. Oui, il a été déterminant dans ce plan machiavélique. Selon cette source, cette même source anonyme, le père de la victime, ce Nourdine Ben Smaïl, a reçu des informations cruciales quelques heures après la mort de son fils. Il aurait eu la visite secrète, oui, il aurait eu la visite secrète d'un haut gradé militaire honorable qui lui aurait expliqué tous les tenants et aboutissants de cette opération. Et le père a vite compris qu'il était le seul à pouvoir déjouer ce plan machiavélique. Oui, il était le seul.
ses déclarations, donc les déclarations de ce père sur les réseaux sociaux, ont permis de calmer et de contrôler totalement les mouches électroniques qui se sont retrouvées sans aucun argument à défendre. Grâce à la sérénité et à la sagesse du père du défunt Jamal Ben Ismaïl, Allah yirhamo, ce brave père a réussi à éviter un scénario digne des années 90, avec les mêmes acteurs encore actifs aujourd'hui. Oui, les mêmes qui sont à la tête de ce scénario inimaginable. Aujourd'hui, et après cette débâcle des hommes du général Achour Oudahi et de la DGSN, une chose est certaine et sûre, des têtes au plus haut sommet de l'État vont sûrement tomber, tôt ou tard. Par la rupture de ces relations, donc une transition vite faite, par la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, cette Algérie, dirigée par ses mêmes au pouvoir, tente de détourner l'attention de sa population, la même population, des problèmes internes et de la rallier contre un ennemi externe, un ennemi imaginaire, selon le think tank américain. Donc ceci vient du think tank américain Middle East Institute, MEI. L'Algérie a choisi de rompre ses liens, déjà très réduits, au minimum, strict minimum, avec le royaume marocain. Et ce, même au risque de mettre en péril ses principales exportations énergétiques, ce qui revient à tracer une ligne dans le sable et à totalement renier au Maroc la moindre influence, tout en cherchant à détourner l'attention de son opinion publique des problèmes internes et de rallier contre un ennemi externe, on ne sait lequel, a affirmé la directrice du programme Afrique du Nord et Sahel au sein de ce Middle East Institute, Intisar Fakir, cet auteur. En effet, le plus grand défi pour les dirigeants militaires algériens est de convaincre une population repliée sur elle-même que le Maroc représente une menace plus importante pour son bien-être que les défis économiques, politiques et sécuritaires internes, explique cet analyste dans un article publié récemment sous le titre « Qu'est-ce qui alimente l'escalade des tensions entre l'Algérie et le Maroc ?» Une interrogation toute légitime. Et de rappeler que la rancune et la suspicion envers ce Maroc, nourri par ces mêmes militaires et l'élite au pouvoir, oui, cette élite, si on peut l'appeler encore ici en Algérie, sont profonds et remontent au conflit frontalier des années 60 et aux tensions idéologiques de l'époque de cette guerre dite froide. Les ambitions croissantes du Maroc pour étendre son influence politique et économique régionale reste ainsi alarmante pour certains au sein de cette armée algérienne, a-t-elle encore relevé. De l'avis de cet auteur de l'article, la reconnaissance sur les États-Unis, par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara apporter un coup aux efforts algériens pour isoler le Maroc sur cette question. Cette reconnaissance américaine constitue une victoire, oui, une victoire majeure pour le Maroc, a-t-elle noté. Par ailleurs, l'analyste du think tank basé à Washington souligne que l'Algérie affiche
une méfiance extrême à l'égard de la coopération maroco-israélienne très croissante, rappelant qu'Alger avait vivement critiqué la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. Et pour cause, oui, et pour cause, l'Algérie est de plus en plus soucieuse, en tout cas ses dirigeants de nouveau, de s'affirmer en tant que puissance régionale après 2 années de troubles internes et un retrait encore plus ancien des affaires régionales. Et sur un temps peu diplomatique, oui, sur un temps peu diplomatique, le pouvoir algérien, en tout cas ce pouvoir, s'en est pris aux États arabes. Oui, s'en est pris cette fois aux États arabes, ayant proposé de combler le fossé abyssal dans ses relations avec Rabat. Les auteurs de ces initiatives semblent ignorer la responsabilité du Maroc dans l'état actuel, répond la diplomatie algérienne. Après un silence de quelques jours, l'Algérie a fini par sortir des bois au sujet des projets de médiation tentés par des États arabes en vue de parvenir à une sortie de crise diplomatique avec le Maroc. Le voisin de l'Est, donc cette Algérie, le voisin de l'Est au Maroc, a opposé un niet catégorique à toutes les initiatives, a indiqué sous couvert l'anonymat un diplomate algérien aux médias, cette fois-ci russe, Sputnik. L'Algérie a démenti par la même voie toutes les annonces officielles à ce sujet, les qualifiant de simples spéculations médiatiques. Pourtant, ce Ramtan Lamamra a révélé lui-même avoir reçu des appels téléphoniques de ses homologues égyptiens et saoudiens ayant porté sur la rupture des liens diplomatiques avec le Maroc. Les Algériens ne sont pas prêts à répéter le scénario de juillet 1988 qui a permis aux deux pays de rétablir les relations entre eux après une rupture de 12 années, indique-t-on, en guise de réponse tranchée quant aux propositions faites par les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Koweït, de l'Arabie saoudite et de la Mauritanie. Dans son réquisitoire, le diplomate a saisi l'opportunité de cette sortie anonyme pour tirer à boulet rouge sur toutes les intentions visant à combler le fossé abyssal entre les deux pays voisins, malgré eux, dit-on, ennemis, entre guillemets. L'idée réductrice est superficielle. L'idée réductrice et superficielle de médiation ignore la gravité des responsabilités du Maroc dans la dégradation chronique des relations algéro-marocaines et occulte l'ampleur des dommages politiques et moraux causés par les faits et les méfaits cautionnés de différents cercles marocains, a-t-il insisté. On dirait que le pouvoir algérien a complètement oublié son sommet arabe qui s'est déroulé dans ce pays, en Algérie. Donc une déception sans doute révélatrice d'un échec de la diplomatie algérienne à convaincre ces États arabes de sa version des faits communiqués des semaines avant la rupture, annoncée le 24 août dernier. Une version officielle qui continue de pointer du doigt, mais sans apporter de preuves, et ayant si dire un rôle, entre guillemets, présumé du royaume marocain dans le déclenchement des feux de forêt en Kabylie et le meurtre de ce jeune Jamal Ben Ismaïl, Allah yarhamou. Tous des prétextes, que des prétextes. Sans justification. Oui, sans justification. Des allégations
que la revue de l'armée, de cette armée algérienne, dont le directeur de publication n'est autre que ce caporal-chef, ce vieux chef, Saïd Chengriha, a d'ailleurs réitéré dans son édition de septembre dernier, ou septembre courant plutôt. Les présidents de la Chambre, des représentants et de la Chambre haute ont ensuite joué également la même partition dans leurs discours prononcés à l'occasion de l'ouverture de l'année parlementaire. Le diplomate algérien a défendu la décision de son pays de rompre les relations avec le royaume marocain, la qualifiant de fondée et appropriée compte tenu de la grave et persistante violation par le Maroc des engagements essentiels qui structurent les relations des deux pays. En s'en prenant de la sorte et sur un temps peu amène à des initiatives de pays arabes, le pouvoir algérien, en tout cas ce pouvoir algérien, risque d'en payer les frais dans les mois à venir, d'autant que sa diplomatie s'active pour persuader les membres de la Ligue des États arabes à se réunir à Alger dans le cadre d'un nouveau sommet arabe. Ce conclave a été initialement prévu l'année dernière, mais il a été reporté à une date ultérieure à cause de la pandémie de la COVID-19. L'Algérie souhaite réunir à ce sommet la majorité des chefs d'État arabes pour ne pas tomber dans l'exemple de la réunion de Nouakchott de juillet 2016, boudée par de nombreux présidents et rois. Alors que d'un autre côté, concernant l'absence de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouch, absence des camps de Tindouf, et qui entame son sixième mois, et un ex-opposant à la direction du Polisario se prononce pour l'organisation d'un putsch militaire. Oui, vous avez bien entendu, un opposant de la direction du Polisario se prononce purement et simplement pour l'organisation d'un putsch militaire. Cet appel, parvenu à plusieurs rédactions, porte la signature de Mahmoud Zidane, un ancien détenu, pour ses opinions politiques. En 2019 déjà, il a passé des mois dans les prisons du Polisario, sans procès, aux côtés de Moulay Ababouzeid et de ce Fadil Brekka, rappelons-le, cet auteur d'une plainte visant le chef du mouvement séparatiste auprès de la justice espagnole pour enlèvement et torture. Et ce Mahmoud Zidane, qui ne peut être taxé d'être à la solde du Maroc, diagnostique une faillite de toutes les institutions. Il met surtout l'accent sur l'absence totale de la structure sécuritaire, civile et militaire. La police est à l'arrêt, les renseignements gelés. La cellule sécuritaire se réunit avec seulement le tiers de ses membres et la sécurité présidentielle est à Ouagadougou, en Mauritanie. Et de relever que les chefs de cette région militaire se trouvent dans les camps, alors que les communiqués affirment la poursuite des bombardements, entre guillemets, des positions tenues par les forces armées royales à l'ouest du mur de sécurité. Est-il raisonnable que ces régions militaires soient gérées sans la présence des commandants sur le terrain, s'étendent-ils? Une question qui apporte un sérieux démenti au communiqué dans le dernier diffusé samedi 4 septembre dernier, porte le numéro par ailleurs 297 et qui annonce quotidiennement des tirs, oui, qui annonce quotidiennement des tirs contre ces forces
armée royale, donc ces phares. Une guerre, entre guillemets, que le monde entier ne veut pas reconnaître, à l'exception de l'Algérie toute seule, qui se débat avec ses cash, ses liquidités et autres denrées qui manquent, et pénurie. Et cette Algérie continue de relayer cette guerre imaginaire qui n'existe pas. Et Mahmoud Zeidan pointe également la mauvaise qualité des services fournis par la société d'électricité algérienne au Sahraoui de Tindouf. Malgré ses piètres prestations, la direction du Polisario somme les habitants de payer les factures salées, déplore-t-il. Non seulement mal desservis en électricité, mais il faut payer les factures. L'ancien détenu politique a révélé que le parrain algérien de ce Polisario a informé le mouvement de ce Brahim Ghali d'Ibn Battouch que dans le cadre de son programme de réduire les dépenses publiques, il prévoit de suspendre définitivement le budget consacré à la scolarisation des enfants sahraouis dans les internats des collèges. Vous avez bien entendu, il prévoit de suspendre définitivement le budget consacré à la scolarisation des enfants sahraouis dans les internats des collèges. Et après avoir livré son constat, ce Mahmoud Zeidan appelle les fidèles de cette révolution parmi les enfants de cette institution militaire sahraouie à intervenir pour mettre fin à l'anarchie, pour mettre fin à cette anarchie. Et la balle, oui, la balle est maintenant dans les camps de l'armée sahraouie qui possède tous les outils pour redonner la légitimité aux institutions, a-t-il conclu dans son message. Et donc, voilà, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur ces nouvelles de cette grande muette, mais qui parle quand même sans arrêt, et surtout sans cache, et avec un putsch, une odeur de putsch à son chevet, que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude, au travers de votre ce qui fait débat habituel, tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, mais surtout, surtout, pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement, réciproquement, pour aider votre chaîne Bled Maghribia, qui en a tant besoin, en vous y abonnant très nombreux, afin d'être informés très rapidement, et surtout en partageant au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant également pour vos commentaires très généreux et qui nous encouragent de plus en plus. Au revoir, chers amis. L'asdiqa, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa okhra, inshallah. مع السلامة.